Bonjour YouTubeur et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur un marché peuplé de multiples options de diffusion comme Netflix, Hulu, Amazon Prime et Sling, Google a décidé de tester également avec YouTube TV. YouTube TV est un effort pour amener la diffusion de TV en direct vers le monde de vie mobile d'aujourd'hui. Comme beaucoup de personnes le savent, trouver tous les programmes que vous souhaitez regarder n'est pas toujours facile. Quand il y a un grand nombre de choix de diffusion. Il est difficile pour beaucoup de ceux qui ne peuvent pas trouver le bon mélange d'options de diffusion pour compléter leur liste de souhaits, et YouTube TV ne va pas résoudre ce problème. Ce qui suit est une évaluation rapide du nouveau service de télévision YouTube de Google. Comme pour tout type de service de cette nature, beaucoup d'entre eux seront une utilisation subjective pour l'utilisateur. J'espère que cela peut au moins servir de guider sur ce à quoi s'attendre, et si vous souhaitez au moins investir votre temps à l'essayer, regardez la suite pour notre rapide examen et installation de YouTube TV. YouTube TV est une application qui vous permet d'avoir plus de 40 canaux de télévision sur votre smartphone, y compris des chaînes telles que ABC Fox, CBS, NBC, CW, Disney et beaucoup d'autres. Avec un abonnement mensuel, mais pour l'instant l'application est uniquement disponible pour certaines villes comme San Francisco, Los Angeles, New York et Chicago et la Philadelphie. Mais si vous êtes impatient comme moi et que vous voulez essayer cette application en ce moment, alors continuez à regarder cette vidéo. Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer une astuce vraiment simple et facile à travers laquelle vous pouvez accéder à YouTube TV, où que vous soyez dans le monde. Vous êtes toujours impatient? Alors allons-y. Afin d'obtenir l'accès à YouTube TV, vous avez besoin de deux applications. La première est un VPN comme composant logiciel, et la seconde application est un fake GPS. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et télécharger ces deux applications, et les installer. Une fois cela fait, téléchargez YouTube TV APK, je vous mettrai le lien dans la description. Avant d'installer l'APK, assurez-vous que l'option source inconnue est bien activée dans les paramètres de sécurité. Une fois les trois applications sont installées, ne les ouvrez pas. On revient sur les paramètres, puis on descend dans « À propos ». Et on commence à appuyer plusieurs fois sur le numéro de build, jusqu'à ce que cela nous donne qu'on a activé l'option « Développeur ». Une fois l'option « Développeur » est activée, allez dessus et on va chercher « Sélectionner l'application de position fictive ». Puis on choisit Fake GPS installé juste avant. Vous avez presque terminé la mise en place. À présent, on va sur l'application VPN. Et créer un réseau privé virtuel en choisissant les États-Unis. On revient sur l'écran d'accueil et on ouvre le Fake GPS et on recherche par exemple la ville de New York et on appuie sur le bouton vert Play afin d'activer la géolocalisation. Vous pouvez à présent ouvrir YouTube TV et compléter les procédures demandées.
Maintenant, vous pouvez voir que vous avez réussi à accéder au service de YouTube TV Apps et vous obtiendrez un mois d'abonnement gratuit. Mais pour obtenir plus de chaînes, vous devez vous inscrire à l'aide de votre carte de crédit ou PayPal par exemple. Voilà tout pour l'installation, sachez que l'application n'est pas encore publiée officiellement. Donc peu importe où vous vivez, si vous suivez ce tutoriel correctement, alors vous pouvez dès maintenant accéder à l'application YouTube TV. J'espère que cette application vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de futures vidéos comme celle-ci. Et surtout, ne pas oublier d'activer la cloche pour être averti chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Il me reste que de vous remercier et de vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.